Avec sa guitare, Nicolas Moreau est entré en studio à la fin de l'année dernière. Les concerts ont disparu, mais pas ses chansons. Sur Molo, son nouveau disque, l'artiste en livre une douzaine. Mon plaisir, c'est d'écrire des chansons, de les enregistrer, de les jouer en public. Mais même les périodes où j'ai pas de public en face de moi, voilà, je trouve quand même un moyen de les diffuser, quoi. Mais je n'ai jamais oublié cet été-là. Pour son deuxième album, Nicolas Moreau a retrouvé le studio de Richard Puot, le bassiste du Celtic Social Club. C'est donc là que sont nés ces sons parfois inattendus. Évidemment, il y a des potes qui sont venus jouer, mais c'est que des instruments acoustiques. Et je trouve que ça, c'est un son paradoxalement assez moderne, quoi. Tu ne dis rien, par dépit je mastique nonchalamment d'un chewing-gum devant ton horloge helvétique. Je ne dis rien, j'ai l'impression du coup que tu m'as invité pour tirer ton coucou. Nicolas Moreau soigne toujours son image dans ses clips et continue de naviguer entre blues et swing. Depuis plusieurs décennies, c'est du côté de Poitiers qu'il mélange ses influences. Pourquoi rester ici, moi qui... La musique, ce qui m'inspire surtout, c'est celle que je pratique depuis 30 ans, quoi. C'est le blues, le swing, la musique américaine du début du 20e siècle, quoi. La musique noire et la musique blanche du sud des États-Unis. Et puis, pour les paroles, je suis très classique, quoi. J'ai beaucoup écouté Brassens, Gainsbourg, Brel. Donc j'essaie de faire mon petit mélange entre ces deux mondes, quoi. Ah, si j'avais du fric, si je faisais fortune. Ah, si j'avais du fric, ah, si j'avais des dunes. Ah, c'est si là que je viens pour être tranquille, quoi. C'est bien, c'est la campagne à la ville, il y a la rivière, il y a des arbres, des oiseaux. C'est très simple, hein, c'est... voilà. J'essaie déjà de faire la musique et les paroles en même temps. Parce que pour moi, une chanson, c'est vraiment... c'est vraiment un équilibre entre les deux, quoi. Donc, généralement, je pars d'une idée de phrase. J'essaie de mettre une musique assez vite dessus. Et puis de développer les deux parties musicales et la partie parole en même temps. Partout on s'affaire, on s'agite. Les villes sont bondées de gens. Faut aller toujours plus vite. Le temps, c'est de l'argent. Molo, son dernier album vient de sortir. Je ne suis pas très riche, certes. Nicolas Moreau, lui, patiente. Mais je siffle un petit refrain. Avant de retrouver le chemin des concerts. Si le monde court à sa perte. Guitare, en bandoulière. Moi, je marche à mon train.